Bonjour à toutes et à tous, c'est Jake, bienvenue, vous êtes dans Un Décaféiné et on attaque la suite de l'histoire de la connaissance de la typographie avec ce chapitre Clarendon. La lithographie. Des nombreux bouleversements que connaît le domaine de l'imprimerie au cours du XIXe siècle, la lithographie est le premier. Inventée en 1798 par l'acteur et dramaturge autrichien Alois Senefelder, qui cherchait un procédé peu coûteux pour imprimer ses propres travaux, ce procédé est une technique de transition entre l'imprimerie artisanale et l'imprimerie mécanisée de l'ère industrielle. La lithographie utilise une pierre calcaire de Bavière comme forme imprimante. Le lithographe dessine sur la pierre calcaire avec un outil gras, encre grasse, craie, et mouille le support qui est ensuite ancré. Grâce au principe de répulsion du gras et de l'eau, l'encre ne prend que sur les parties grasses. Ce procédé est bien plus simple et moins coûteux que l'impression au caractère en plomb, et présente aussi l'avantage d'être aisément modifiable. Autre avantage de la lithographie, elle permet de reproduire les images et illustrations ainsi que les typographies à l'aide du même support. La chromolithographie mise au point en 1837 amène un développement sans précédent de l'affiche qui prend à cette période les caractéristiques qu'on lui connaît aujourd'hui, grande taille, polychromie et facilité de reproduction. William Caslon. Au XIXe siècle, l'Angleterre domine l'Europe grâce à sa puissance industrielle et maritime. Suite aux travaux pionniers de William Caslon et de John Baskerville, le pays connaît aussi un véritable essor de l'art typographique. Robert Thorne, fondeur, dessinateur et graveur de caractère londonien, reprend l'imprimerie de son maître Thomas Cottrell, lui-même un ancien disciple de William Caslon. Il déplace l'atelier et s'établit à Fan Street en 1794. Il crée ainsi la Fan Street Foundry, qui sera renommé pour la qualité de ses fontes. Typographe de talent, Thorne est surtout célèbre pour avoir été le premier à concevoir un caractère d'impression gras qu'il nomme Fat Face ou Old Roman. William Caslon IV, l'arrière-petit-fils du créateur de la Caslon, qui a repris l'atelier de fonderie de son père à Salisbury Square, participe lui aussi à l'évolution des caractères typographiques. En 1816, il signe son catalogue en utilisant des majuscules bâtons, sans empattement, qu'il appelle Two Lines English Egyptian, et que l'histoire retient comme les premiers caractères sans sérif élaborés pour l'impression typographique. La machine à écrire. L'imprimerie connaît une mécanisation croissante au XIXe siècle,
En 1837, le typographe italien Giuseppe Ravizza crée le premier prototype de machine à écrire qui comprend un clavier qui ressemble à l'époque à un clavier de piano. La pression des doigts sur les touches permet d'imprimer les caractères. En France, François-Pierre Foucault, aveugle de naissance, invente le raphigraphe en 1839. Cette machine permet d'imprimer du texte selon un système typographique conçu par son ami Louis Braille. Les aveugles peuvent ainsi correspondre par écrit avec leurs amis ou leur famille. En 1865, Rasmus Malling-Hansen, directeur de l'Institut royal pour les sourds-muets de Copenhague, invente la boule à écrire, qui devient en 1870 la première machine à écrire produite en série et destinée au grand public. Au même moment, en Amérique du Nord, un imprimeur et éditeur de Pennsylvanie, Christopher Latham Sholes, met au point un prototype de machine à écrire avec l'aide de Carlos Glidden et de Samuel W. Saul. Il s'agit d'un clavier dont les touches représentent des signes prédéfinis, lettres, chiffres, reliés par une tige au caractère correspondant. La pression d'une touche déclenche un système mécanique qui imprime le caractère sur une feuille de papier à l'aide d'un ruban encreur mobile. Les inventeurs vendent leurs droits en 1872 au marchand d'armes américain Remington, qui lance la production en série et commercialise la machine aux États-Unis à partir de 1874. La Typewriter de Remington se répand rapidement et reste connue comme la première machine à écrire à connaître le succès commercial. Avec la machine à écrire, la composition typographique quitte les ateliers d'imprimerie pour devenir accessible à tous. Cette évolution amène aussi des changements au niveau des caractères imprimés. En effet, les caractères des machines à écrire standardisées ont tous la même largeur, contrairement aux caractères typographiques utilisés en imprimerie. Les lettres sont donc déformées, les plus fines étant élargies et les plus larges réduites. Les mécanes. En Angleterre, au XIXe siècle, le développement de l'imprimerie, de la presse et de la réclame suscite la création de nouveaux caractères. Vincent Figgins, un contemporain de Thorne et de Caslone IV, dessine les premiers modèles de capitales dites égyptiennes, dotés de larges empattements rectangulaires et qui se caractérisent par l'absence de pleins et déliés des lettres traditionnelles. L'Antique, qu'il publie en 1815, ouvre la voie à une nouvelle famille de caractères que l'on nommera plus tard les mécanes en raison de leurs aspects géométriques qui évoquent les machines industrielles de cette époque. Se distinguant de l'écriture à lire, l'écriture devient à voir. Le graphisme publicitaire, racoleur et provocateur, cherche à imiter les cris de la rue et les enseignes dont il voudrait prendre la relève. Emblématique de cette révolution, le caractère Clarendon, conçu en 1845 par le typographe Robert Beasley, voit le jour à la Fan Street Foundry de Londres. Ce caractère, qui s'inspire à la fois du caractère gras de Thorne et des égyptiennes de Figgins, aura un grand succès aux États-Unis. Souvent associé au folklore de la conquête de l'Ouest et des westerns américains, il se prête particulièrement bien aux titrages et aux textes courts comme ceux des affiches ou des pancartes commerciales, ce qui explique en partie son succès.
Le télégraphe. La découverte de nouvelles sources d'énergie, en particulier la vapeur et l'électricité, permettent de nouvelles avancées techniques au cours du 19e siècle. L'écriture prend des formes nouvelles et inattendues. Charles Wheatstone, physicien et inventeur londonien, met au point un système télégraphique filaire en utilisant des aiguilles aimantées guidées par un courant électrique pour transmettre des messages. La première liaison télégraphique entre Londres et Birmingham est mise en route dès 1838. Au même moment, aux États-Unis, le peintre et sculpteur Samuel Morse dépose une demande de brevet pour le télégraphe électrique. Avec l'aide de deux associés, il perfectionne le télégraphe électrique et réussit à convaincre le Congrès américain de financer la première ligne télégraphique entre Baltimore, dans le Maryland, et Washington, D.C. Elle est construite en 1843. Sa transcription de chaque chiffre et lettre de l'alphabet en une combinaison unique de signaux intermittents, inventée dès 1832, permet de transmettre des messages rapidement sur de longues distances. Sa version du télégraphe est rapidement adoptée aux États-Unis à partir de la seconde moitié du 19e siècle et servira notamment à relier les vastes territoires de l'Ouest américain récemment annexés aux villes industrielles de la côte Est. Ce système de transmission à distance inaugure une nouvelle ère dans les communications, celle de la dématérialisation progressive de l'information qui est achevée au 20e siècle avec l'invention de l'Internet. La linotype. Au début du XXe siècle, l'imprimerie est en passe de devenir entièrement mécanisée. Les machines simplifient, accélèrent et automatisent la composition et la fonte des caractères. Alors qu'il s'agissait jusqu'à cette époque d'une tâche exclusivement manuelle, la composition des textes destinés à l'impression devient mécanique avec l'apparition de la linotype en 1886. La machine, inventée aux États-Unis par Otmar Mergenthaler, un horloger d'origine allemande, permet de composer des lignes de texte à partir d'un clavier, qui actionne des matrices de caractères, et de fondre ensuite automatiquement les caractères désirés. Une fois la ligne fondue, un système de cran automatise le rangement des matrices dans les magasins correspondants, et les lignes de plomb sont recyclées après l'impression, pour servir au moulage des fontes suivantes. Ce système de composition révolutionne l'édition et restera en usage jusqu'aux années 1970, avant d'être définitivement remplacé par la photocomposition. Ce chapitre de Typewriter est terminé. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle avancée dans l'histoire de la typographie. En attendant, suivez Yves Asson Studio sur les réseaux sociaux et sur le site. À très vite.